Une sonnerie retentit. Je m'avance. J'entre en première dans un nouveau lycée. Je connais déjà quelques personnes, mais sans plus. Coup de chance, je tombe dans la classe des gens que je connais. Bref, qui dit nouveau lycée, dit nouvelle vie. Je rencontre plein de personnes, je deviens ami avec plein de monde, je m'intègre vite, je fais quelques soirées, ma vie se passe pour le mieux. Les premières semaines passent, et je remarque que contrairement à mon ancien lycée, il y a énormément de filles. Certaines sont à mon goût, mais je n'ai pas de coup de foudre. Beaucoup de personnes rentrent dans ma vie, mais personne dans mon cœur. Puis, un jour, lors du bal du lycée, les organisateurs nous fournissent des bracelets fluorescents. Je ne suis jamais vraiment à l'aise dans les soirées, je n'aime pas trop danser, mais j'y suis. Au cours de la soirée, mon bracelet se détache et tombe. Ayant quelques difficultés à le remettre, une jeune fille, connaissance d'une de mes amies, vient me voir et me demande si je veux de l'aide. Étant un peu surpris, je lui réponds à peine, mais j'accepte. Elle prend mon bracelet et me le remet. Je commence à lui parler et on passe le reste de la soirée ensemble. Je découvre une vraie crème, une fille adorable, attachante, gentille et intelligente. On devient proche et rapidement, je commence à avoir des sentiments. Nous parlons régulièrement par message et un soir, au cours d'une discussion, je lui avoue. Malheureusement, elle m'annonce à son tour qu'à la fin de l'année, elle déménage pour l'île de la Réunion. Afin de ne pas avoir à se séparer, elle préfère que rien ne se passe. Les mois s'enchaînent, elle revend sa maison et déménage dans un petit appart situé à quelques rues de chez moi, ce qui nous rapproche plus encore. On se croirait dans un film. On se rencontre à une soirée, on habite à côté, on se parle en vrai la journée, par message le soir, on rentre ensemble après les cours, et lors de ma soirée pour fêter mes 18 ans, on finit par s'embrasser et sortir ensemble. C'est ici que les problèmes démarrent. Étant conscient qu'elle part bientôt, l'idée commence à me tourner en tête que notre relation ne durera pas. Non pas par manque d'amour, mais par nécessité. Les jours passent, et cette idée déambule de plus en plus dans ma tête et se répercute sur mon moral. Enzo ? J'ai besoin de te parler. Elle ne supporte pas de me voir comme ça. Elle préfère qu'on arrête pour que ce soit moins dur lors de son départ. Mieux vaut prévenir que guérir, j'imagine. Au même instant, quelque chose se produit en moi, comme une fissure. Un truc apparaît au fin fond de moi. Je le sens. Sensation étrange, comme un courant d'air traversant les craquelures d'un mur dans mon cœur. Finalement, le jour inévitable arrive. Son départ est difficile pour moi, mais je suis encore loin de m'imaginer que je suis seulement au début de mon cauchemar, tout en haut de la pente qui va m'emmener en enfer. Les grandes vacances passent, la rentrée arrive. Ayant toujours cette fissure au fin fond de moi, je me dis que la combler sera facile, et qu'elle se refermera dès que j'aurai trouvé quelqu'un d'autre. Pensée égoïste, mais cette rupture a réveillé quelque chose au fond de moi. Les semaines passent et aucune fille ne m'intéresse. Ah, si, il y a cette fille-là que je croise dans les couloirs de temps en temps. Mais à chaque fois que je la vois, je ne peux pas m'empêcher de faire une réflexion.
Qu'est-ce qu'il est moche son pantalon. Vous trouvez pas qu'elle ressemble à l'autre vieille meuf là? Elle n'était vraiment pas à mon goût. Et pourtant, au fur et à mesure des fois où je la voyais, je sentais un truc changer en moi. Pourquoi est-ce que je la remarquais à chaque fois? Pourquoi elle? Pourquoi je pense à elle? Un jour, alors qu'elle occupait de plus en plus mon esprit, je me décide à faire le premier pas et à connaître son nom. À l'époque, existait un compte Instagram du lycée, qui permettait de poser des questions en anonyme ou non à toutes les personnes de l'école suivant le compte. Un vendredi soir, je me lance et envoie mon message. Une fille en première, sac bleu, elle porte des lunettes, assez petites, cheveux bruns foncés. Quelqu'un aurait son Insta, point d'interrogation, envoyé. Dans l'heure même, une réponse arrive. C'est probablement l'une de ses amies. Elle m'a donné l'un de ses réseaux. Je vois le message, mais me dit que je l'ajouterai le soir. Le soir arrive. Je retourne sur la publication. Le message a disparu. Surpris, je me mets à réfléchir et essaye de me souvenir. Finalement, je retrouve le nom du compte et je l'ajoute. On commence à parler le lendemain et on se découvre rapidement des points communs. Le lundi vient alors. Nos deux premières heures de cours sont dans des classes face à face. Lors de la pause, nous nous étions donc donné rendez-vous devant nos salles. Non sans stress, je sors alors et l'aperçois, dos à moi. Elle est avec ses amis, alors je m'approche. Ses amis m'aperçoivent, la préviennent et nous laissent tous les deux. Chacun était un peu stressé, mais ce stress s'est vite envolé lorsque nous avons commencé à parler. Les semaines passent et nous apprenons à nous découvrir. Le courant est instantanément passé entre nous, et je la trouvais de plus en plus mignonne. Rapidement, nos sentiments grandissent, et un soir, lors d'une de nos conversations, nous finissons par les évoquer. Finalement, un avis sur une personne peut changer rapidement, pas vrai? Il y a une certaine alchimie, un truc qui ne m'était jamais arrivé, comme si un lien parfait nous unissait. Une harmonie uniforme. Les semaines défilent et voient arriver le jour. Un jour comme n'importe lequel, un soir. En sortant des cours. Il n'était que 17h30 environ, et pourtant il faisait déjà sombre. Nous étions dans une de ces soirées d'hiver où la nuit et le froid tombent avant même que l'on ait pu profiter de quoi que ce soit. Son bus arrive, elle me fait un léger signe de tête pour me l'indiquer. Je la regarde dans les yeux, détourne mon regard sur ses lèvres et l'embrasse. Ça y est, nous sommes en couple. Nous sommes en couple et je redécouvre un peu de bonheur dans ma vie. On vit des aventures, on visite des endroits, on passe des après-midi ensemble, on apprend à faire du skate, on s'offre des cadeaux, on se fait découvrir des choses mutuellement. On se correspond. Les semaines continuent, on s'habitue l'un à l'autre et on est de mieux en mieux ensemble. On se comprend sans se parler. Ses paroles ont un véritable impact sur moi. Chacun de ces mots sonne comme les mots d'un ange. Et bien que je la connaisse depuis peu, j'ai plus confiance en elle qu'en le monde entier. D'ailleurs, si le monde entier avait été contre elle, j'aurais quand même été de son côté. Néanmoins, une différence entre nous commence à apparaître,
Et alors qu'elle est une personne un peu froide, un peu distante, je suis l'exact opposé. Un jour, lors d'une dispute, notre différence se fait trop ressentir et tout dégringole. On se sépare et la fissure qui était autrefois si troublante ne signifie plus rien comparé à ce que je ressens. Les mots se brisent, les sentiments se perdent, le temps s'arrête. L'enfer est là. Les premiers jours sont les plus difficiles. Elle brille comparé aux autres à mes yeux. La fissure qui était réapparue me faisait l'effet d'un trou noir dans le ventre. C'était affreusement douloureux et dur à supporter, et pourtant tellement indescriptible. Les jours passent, le sommeil part, l'envie de manger aussi. Le trou noir aspire tout ce qu'il peut. J'ai l'impression de sombrer, de vivre un naufrage. Je me retrouve alors seul, ma tristesse s'intensifie, et même respirer devient un effort. Ma tête est un véritable brouillon. Tout ce qui était blanc devient alors noir. Mes amis m'abandonnent, car je ne suis plus le même. Je ne suis plus moi-même. Je ne suis plus. Dans un interminable tunnel de désespoir, m'apparaît alors une idée. Écrire mon mal-être dans un carnet pour pouvoir l'extérioriser. Compenser cette douleur insupportable dans la tête en la matérialisant. Mon carnet devient alors mon recueil. Entre pensées suicidaires, pleurs, gribouillages, souffrances et noir absolu, des « j'ai besoin d'aide » apparaissent sur ces pages. Le temps passe, tout devient plus difficile. Le bac approche et pourtant j'ai autre chose en tête. Impossible de redoubler. Je ne pourrais pas faire une année de plus dans cette école. Pas si elle est encore là. Les semaines passent, cela fait désormais plus d'un mois que tout a changé. Mes larmes sont devenues inévitables. Je commence à voir quelqu'un pour sortir de mon malheur. Chaque rendez-vous me rend heureux et pourtant est insurmontable. Déraciner la douleur la rendait plus intense, mais me donnait l'impression de vivre à nouveau. Une seule phrase résonnait en moi. Je ne veux pas mourir. Je veux juste que ça s'arrête. My pain is still far greater than yours. Symphony, won't you kiss me? Send me.